de Langjökull in IJsland. Met zijn 50 kilometer de tweede grootste gletsjer van Europa. Een maand geleden begonnen de 9 atleten van het 400 meter estafette-team aan hun vijfdaagse expeditie. Het is interdit d'aller devant le guide. Het is interdit. Doel van de tocht: het team voorbereiden op de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Dag 1 van de expeditie in Reykjavik. De atleten maken zich klaar om te vertrekken. Tweelingbroers Jonathan en Kevin Borlée, de vedetten van het team, eten voor het laatst deze week een normaal ontbijt. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Franchement, aucune idée. J'ai été faire des randonnées de 2 heures. Mais... C'est tout. On a déjà fait des team building avant, mais là, comme ça, dans le froid, à l'écart de tout, c'est la première fois. Il y a de nouveau ici qui ont rejoint le groupe. Ils doivent se demander ce qui se passe parce qu'ils arrivent à peine qu'ils partent en Islande marcher dans le froid. Mais je pense que c'est aussi une bonne occasion de se connaître. Gaat die stokwissel goed? Die gaat goed. Gilles is weg. Parijs, 9 maanden geleden. Het Belgisch 400 meter estafette team pakt brons op het EK Atletiek. En waar komt Kevin Borlée? Wordt het brons? Brons opnieuw voor België. De ambities voor de toekomst liggen hoger. Er wordt zelfs gedroomd van een Olympische medaille. Maar dan moet het team sterker worden. De atleten moeten hun grenzen kunnen verleggen. Een gletsjer in IJsland is daarvoor ideaal. Maintenant, au niveau physique, ça me fait pas trop peur. Je pense qu'on est prêt à ce niveau-là. On est quand même des athlètes. J'ai l'habitude de dormir torse nu, donc ici avec une grosse veste. Moi, il faut que mes pieds sortent de la couverture si je veux bien dormir. Et là, ils m'ont complètement coincé. Donc, j'espère que j'arriverai à dormir. En niet alleen slapen wordt een probleem. Bienvenue. Alle expeditieleden zullen zelf een zware slee van 30 kilogram moeten voortrekken. Expeditieleider Alain Hubert helpt hen bij het inpakken. La nourriture, on va la mettre pour 2 personnes pour les 4 jours dans ce truc-là. Tout à l'heure, on va se faire dropper sur la neige et puis à ce moment-là, il faut que tout soit prêt. Il va neiger, il y aura du vent. Il faut qu'on sache gérer complètement tout son équipement. C'est la raison pour laquelle l'équipe utilise le même équipement que j'utilise dans mes expéditions. Alain heeft er zelf heel wat expedities op zitten. Hij stak Antarctica over en wandelde van Siberië tot in Groenland. Maar de Langjökull Gletscher kent hij niet. Moi-même, j'ai jamais fait ça, donc c'est quand même une aventure, c'est ça le but. Si on allait se promener, alors on a qu'à aller sur la plage. Il va pas faire trop froid, je pense qu'on n'aura pas plus que moins 12, moins 15 maximum la nuit. Et ça, c'est pas beaucoup. Non, non, pour moi, c'est pas beaucoup, mais disons que... Maar één man hoopt dat het wel bar koud wordt. Jacques Borlée, vader van Jonathan en Kevin en coach van het team. Hij is ervan overtuigd dat zijn atleten door deze expeditie sterker zullen worden. Het suffit de regarder Alain Hubert. Il a une force, il a une puissance. Il a déjà vécu énormément dans le froid. Et le froid, ben, ça vous renforce énormément. En plus de ça, je trouve certaines fois que les athlètes ne savent pas aller suffisamment à l'extrême. Zelf weet Jacques perfect wat het betekent om diep te gaan. Als atleet was hij al berucht om zijn ijzersterk karakter. Jacques Borlée is op dit ogenblik veruit onze beste 200 meter loper. Dat bewezen vandaag nog eens. Met zijn legendarisch doorzettingsvermogen won Jacques 14 Belgische titels en Europees zilver in 83. Quoi qu'il arrive, qu'il y avait du brouillard, ou alors c'était le 25 décembre ou le 1er janvier, et j'allais m'entraîner. Et ça, c'est mon caractère. J'ai envie d'expliquer aux athlètes qu'on peut faire de grandes choses, mais on n'arrivera à les faire que si on se donne à l'extrême. De expeditieleden zijn 3 uur onderweg van Reykjavik naar de voet van de gletsjer. Die zullen ze helemaal proberen over te steken. Een tocht van 80 kilometer door sneeuw en ijs. Il fait très froid.
j'ai envie ou pas, de toute manière maintenant on y est, on est au milieu de nulle part, il va falloir marcher. Je pense que j'ai quand même envie de commencer à marcher parce qu'au moins ça va me réchauffer. Bon, pour mettre les skis, hein, prenez vos bâtons, là, on s'amène devant ici, voilà, c'est mis. On a terminé de faire notre sac et de remplir les traîneaux, et bon, on est parti. On nous avait dit que ça allait pas être trop dur, que ça allait aller. Je peux déjà dire qu'on a commencé à emboîter parce que il y a eu tempête directement. On a même pas marché une heure, je pense. On a dû faire le camp. Het team staat al na anderhalve kilometer voor een eerste uitdaging. Attention le ski, ouais. Tenten opzetten terwijl het stormt kan erg gevaarlijk zijn. Ça nous a quand même mis un coup au moral, pour dire mettre les tentes dans ces conditions, c'était vraiment tellement compliqué. Mais bon, c'était une expérience. Vas-y, viens là d'abord. Oh, wait. Stop. One more and then we can. De dag erop staan alle tenten nog veilig overeind. Die nacht is er wel een halve meter sneeuw gevallen. Le ciel est blanc. Le sol, c'est de la neige, c'est blanc. C'est blanc partout. C'est complètement white out. Et si on part comme ça sans visibilité, ça peut être les crevasses, hein. Parce que là, on voit rien. Hein, et surtout le premier. Alain nous avait dit, oh, vous savez, ça va être tranquille, 4 nuits, il va faire beau, on va marcher, il fera un peu froid, mais pas trop. Mais bon, là, pour la première nuit, sacré baptême. Pour manger, c'est pas évident. Aller aux toilettes, c'est pas évident. Donc voilà, je pense que c'est ce que le coach recherchait. Et ben, il l'a trouvé. J'ai super bien dormi. Ça va créer une super solidarité. On vit ça entre nous et je pense juste avant les Jeux Olympiques, je remontrerai ces images. Je pense que ça nous fera gagner les petits dixièmes qu'on doit avoir pour essayer d'avoir une médaille. Pas in de namiddag stopt het eindelijk met sneeuwen. Maar Alain beslist toch om niet meer verder te trekken. Si on partait maintenant, on pourrait marcher 2 heures et puis tu vois, on serait de nouveau avec les tentes la nuit et tout, donc ça sert à rien. Donc on préfère rester. Le temps devrait être bon demain et l'idée c'est que demain on fasse une grosse journée. 1 km? Ouais. Si on peut, j'aimerais bien faire 8 heures, comme ça on passe le sommet de la calotte demain. On a fait que 1500 mètres. Savoir qu'on doit encore tout faire et ça fait déjà 2 jours, c'est quand même dur. Niet alleen het wachten, ook de kou begint stilaan zijn tol te eisen. Ah, shit. 's morgens zakt de temperatuur tot min 15 graden Celsius. Ce qui est bizarre, c'est d'être au milieu de nulle part, de dormir dans un frigo et de devoir tout faire manger comme ça en tente. C'est ça qui est bizarre. Prends mon matelas. Tu le roules. Mm-hmm. Ne roule pas. Van de atleten heeft vooral Will Oyowe het moeilijk met de kou. Hij is afkomstig uit Nigeria. Sneeuw is voor hem iets nieuws. I think it's good character building. It's good, helps you mentally, you know. Just not enjoying the snow and the ice. Just everything else is cool, just the snow and the ice and the wind. Nah. It's okay, so yeah. Africans don't like snow? I think they do. This African doesn't like snow though. Really? Il se demande un peu ce qu'il fait ici, mais il se plaint pas.
on va voir jusqu'à la fin du stage, mais c'est sûr que pour lui, c'est quelque chose d'important, sa mentalité africaine, de toujours la prendre cool. Je veux qu'il change ça et qu'il soit beaucoup plus rigoureux parce qu'il a un potentiel énorme. C'est jour après jour qu'on fait le résultat. En de resultaten, dat is waar het allemaal om draait. Want op de Olympische Spelen zullen maar 4 van de 9 atleten kunnen lopen. Meer dan de helft zal dus nog afvallen. Zelfs voor Niels Durink, al jaren een vaste waarde, blijft het knokken om erbij te zijn. Dat is iets dat al heel lang bezig is, dat we zo eigenlijk onderling gewoon sneller en sneller moeten lopen, omdat we in die ploeg willen zitten. En het zijn eigenlijk ook gewoon 9 mensen die kans hebben om op de Spelen te staan of om op het TK te staan. Dus dat maakt alleen maar de concurrentie sterker. Dus ik start eigenlijk voor persoonlijk dit seizoen met 1 doel en dat is lopen in de finale om te spelen. Maar op dit moment lijken enkel Jonathan en Kevin al zeker van hun plaats. Zij zijn dan ook altijd net ietsje beter dan de anderen. Kevin Borlée komt op het einde. Het is Kevin Borlée die goud pakt. Kevin Borlée voor België. Kevin won vorig jaar zelfs goud op het EK in Barcelona. De Borlées die hebben elkaar, dus die zijn met 2. En dat stuurt elkaar ook heel hard vooruit. Die onderlinge concurrentie dat eigenlijk binnen de groep heerst tussen hen 2 ook wel een beetje. En op training is dat ongelooflijk handig dat er iemand is die in 1 stuk beter is dan een ander. Bijvoorbeeld Jonathan is beter in snelheid, Kevin is beter in uitdaging. En zo stuurt ze elkaar eigenlijk continu naar die grenzen toe op elk vlak. On n'est pas toujours en forme en même temps et quand il y en a un qui est plus en forme, c'est lui qui tire et c'est ce qui permet à celui qui n'est pas en forme de travailler autant et c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Nu komt Kevin, hij ziet er nog goed uit. En Jonathan, die is aan het sterven. Donc mes fils, ils savent se faire très très mal et on dirait qu'ils ne sentent jamais la douleur et c'est assez inimaginable comment ils peuvent aller à l'extrême. Mais sans rien dire. Die kunnen dingen waar wij zelfs nog absoluut versteld van staan. Wij weten hoe dat is om echt diep te gaan en over de grens te gaan. En toch gaan die mannen nog net een stapje verder. En ook vandaag gaan Jonathan en Kevin tot het uiterste. Zonder te wachten op de gidsen, drijven ze het tempo op. Bergop in de sneeuw met een stevige tegenwind. C'est comme si on lâchait les chiens. Ils sont partis et puis ils n'ont pas regardé qu'il y en avait derrière qui n'était pas prêt et qui avançait plus lentement. C'est leur nature. Ils ont envie tout le temps d'exceller, de montrer. Et tout de suite, immédiatement, ils sont partis comme des chiens fougueux. Mais bon, c'est leur nature et c'est pour ça que c'est des compétiteurs. Ou sinon, ils feraient pas du 400 mètres. Hein, et la compétition à très très haut niveau. On a toujours eu une mentalité d'être compétiteur et essayer d'aller donner le maximum. Mais bon, je préfère nettement donner le maximum dans ma discipline de 400 mètres qu'ici. Mais ici, je donnerai le maximum pour arriver le plus vite possible. Maar dat is niet naar de zin van Alain Hubert. Pas na een helse achtervolging van 2 uur kan hij de groep opnieuw samenbrengen. Il est interdit d'aller devant le guide. C'est interdit. On est sur un glacier ici. Ça veut dire que vous n'avez aucune idée qu'il y a une crevasse à un endroit. Donc ça veut dire que je ne vais plus voir personne devant, soit lui ou moi. Le temps peut changer en quelques minutes. Il y avait des moments où on vous voyait, puis des moments où on ne vous voyait plus. Exactement 5 minutes, on ne voit plus les traces derrière. Ça veut dire que si vous étiez perdu, vous devez revenir sur vos pas, si vous n'avez pas fait attention au vent, etc. Pouf. On n'avait aucun moyen de comprendre. Donc voilà. Maar de expeditie zit ver achter op het geplande schema. Alain besluit daarom om die dag extra lang door te stappen. Nog 13 kilometer aan de top. Combien? 13. Oh! Mais bon, il a dit que c'était vraiment la partie la plus dure ici au début. Het voorlaatste uur was echt op automatisch piloot. Dat was gewoon niet nadenken en blijven gaan. Ook al voelde je moe en voelde dat je aan het leeglopen bent, gewoon echt blijven doorduwen. C'était dur. J'essayais de pas regarder le traîneau juste devant moi pour ne pas regarder si Alain allait s'arrêter ou pas. Mais ouais, c'était assez dur. Pas na 10 uur onderweg besluit Alain het kamp op te zetten.
De opluchting bij de atleten is groot. On a l'habitude de le faire à l'entraînement, mais bon, sur des courtes distances, sur un temps assez court ici, avec un traîneau derrière nous, on est fatigué, mais on n'a pas l'impression d'avancer, ça c'est dur. Accrocher. Training in the rain in Belgium, that's what I miss. Not snowing, you know, in the middle of a North Pole in Iceland, I don't know. Dag 4 van de expeditie begint onder een stralende hemel. Et quand on voit la lumière ici, it's a paradise. Het is ook warmer vandaag en de wind is gaan liggen. De sfeer in het kamp is opnieuw opperbest. Tout se passe bien. Il y a encore personne qui a une dépression, donc ça va. Mais je trouve qu'ils ont tous un bon mental. Et apprendre à avoir du mental, à combattre par rapport aux difficultés, ça s'accepte ces stages et à en faire des hommes. Grenzen verleggen, doorgaan tot het uiterste, voor Jacques is het een mantra. Van zijn 7 kinderen eist hij dan ook absolute discipline. En vooral voor Jonathan is dat niet altijd makkelijk. Jonathan is zo een iets relaxer, iets meer op het gemak. En die eist meer zo het carpe diem type. Dus de dag komt zoals dat hij komt en we zien wel waar dat hij ons naartoe brengt. Bon, je suis un peu plus j'aime en footisme, comme mon père aime bien le dire. Moi, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais Kevin est beaucoup plus discipliné dans ce qu'il fait. Il a sa ligne de conduite et il la suit de A à Z. Et ça c'est vraiment un de ses points forts parce qu'il arrive à suivre de bout en bout quand il a un objectif. En étant des lions, ils sont très sociables. Vous savez, quand vous faites du haut niveau, vous pouvez avoir à un moment donné un très très mauvais caractère. Et ce qui est exceptionnel chez eux, c'est qu'ils ne se prennent pas pour des champions. Il y a gardé beaucoup beaucoup d'humilité. Ça c'est vraiment, et ça me rend très fier de voir cette manière d'être qu'ils ont au quotidien. Na 4 uur onderweg bereiken de atleten het hoogste punt van de gletsjer. Marc, Kevin, Nico, non, c'est Jonathan, c'est Kevin. Comme tu veux. Jonathan. Ok, allez, hop. On sourit, ouais. 1, 2, 3. Come on, guys, come on, allez, come on. Maar door het slechte weer heeft de expeditie veel vertraging opgelopen. Alain besluit daarom het tempo op te drijven. Je ziet de hele tijd zo die horizon zo net voor je liggen en je zegt eigenlijk, ja, je kijkt dan wel naar de grond en je zit echt een minuut of 3-4 goed aan het doorduwen en je kijkt omhoog en eigenlijk ligt hij nog altijd even ver. Totdat we hier dan stilaan naar beneden gaan en dan begint inderdaad Alain door te geven dat het niet proper is en was het eigenlijk precies of het dalen zwaarder is dan het stijgen. Mentally you want to go and go further, but your body says no. Vooral Will krijgt het alsmaar moeilijker. Hij heeft open blaren en een beginnende infectie op zijn voeten. You haven't tied your laces. Your socks are like. You have to put them up so you don't have those wrinkles. Put them all the way up so they don't, you know, slide down. Because if they make wrinkles, it's gonna kill your foot. C'est la vie, hein? On a tous mal aux pieds. Non, mais là maintenant, bon, ben, on va prendre son matériel. On a encore une heure. On va installer le camp. Il n'y a pas de vent ce soir, donc ça va être beaucoup plus cool que les deux autres jours. Deux premiers soirs, c'est un vrai baptême de feu. Je dois dire, j'aurais jamais imaginé ça pour un baptême. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Maar Alain weet op dat moment niet dat de echte vuurdoop nog moet komen. Iedereen denkt, mooi een dag en is te bied nog een uurtje doorgaan en dan eigenlijk ja, tentjes opzetten. En eigenlijk een kwartiertje later begint er stil wat wind op te zetten. En un coup, de vent est arrivé en 5 minuten. On a eu un vent de tous les diables qui est arrivé.
On a encore essayé de continuer un peu, puis Alain a dit non, stop, il faut arrêter. C'était presque moins 26, moins 30 degrés. C'était vraiment extrême. Comment ça ? C'est pas ça. On voyait plus rien, il fallait encore monter les tentes. Les tentes pour les skis. De brillen die vroegen aan, de skibrillen, dus je kon daar niks door zien, dus je moest die afzetten. En wanneer je die afzette, was het eigenlijk zo koud dat zelfs gewoon als die ogen traanden, dat eigenlijk aanvroor aan je wimpers. Will heeft ook bevroren vingertoppen. Hij heeft warm water over zijn handschoenen gegoten en die handschoenen zijn nu bevroren. It's my fingers. What's going on? I can't. They just hurt. Ouais, il a froid aux mains. Mais le vent vient se lever, hein, et c'est... La fatigue, c'est un peu tout. Hein. De hele nacht heeft het nog zwaar gestormd. Pas tegen de ochtend gaat de wind opnieuw liggen. Hier, c'était extraordinaire la solidarité entre les athlètes. On ne savait même pas qui montait la tente, mais on avait l'impression qu'ils avaient toujours fait ça ensemble et ils se donnaient tous à fond. Et donc, cette solidarité, elle est importante. Voilà, c'est ça qu'on cherche. T'aimes ça, hein? Hein? Qu'est-ce que tu penses? C'est un bon stage, hein? Oui, c'est un bon stage, oui. Mais je pense le froid. T'as froid? Oh, c'est chouette quand même ici. Petit 400 mètres tout à l'heure. Hein? Oui. Je vais courir un 400 en septembre. Allez, continue comme ça. Hey man, come on, continue. Let's go. Maar Will is mentaal helemaal op. Het is gevaarlijk hem nog dieper te laten gaan. Alain beslist daarom een kortere weg te nemen. Hij wil absoluut voor het donker aankomen. De laatste dag was eigenlijk beslist dan om relatief snel eigenlijk een shortcut te nemen en niet een lange weg te nemen. Eigenlijk was dat, hadden ze beloofd, ah ja, het is nog 5 kilometer wat omhoog en dan is het eigenlijk de hele tijd naar beneden totdat we er zijn. Une fois qu'on est parti, on s'est mis en chemin. On a tout de suite compris que ça allait être une longue et dure journée parce que la neige n'était pas bonne, elle collait au ski, donc c'était difficile d'avancer. La neige collait, j'avais ça de neige en dessous de mes skis. On était là à tirer ce traîneau qui était 3 fois plus lourd. Will is amper nog in staat om zijn eigen slee te trekken. Maar de solidariteit is groot. Zijn teamgenoten schieten hem ter hulp. On a dû s'entraider, essayer de faire pour le mieux en se partageant les traîneaux, en essayant d'avancer tout en restant debout. C'est des gros sacs, c'est des gros sacs, c'est pas évident. Il y a moyen d'accrocher ce traîneau-là à un autre. Tegen de avond is het eindpunt nog altijd niet in zicht. De atleten vrezen dat ze nog een nacht op de gletsjer zullen moeten kamperen. Et on se dit, j'ai vraiment pas envie de planter la tente ce soir, je veux rentrer et on voit qu'on n'avance pas. Et donc là, on se dit, allez les gars, il faut y aller. Quand on est arrivé en bas, la fin de journée, c'était extraordinaire. Donc on avait donné rendez-vous au tracteur donc, pour venir nous rechercher. Et c'est arrivé juste quand la nuit est tombée avec les phares et tout ça, c'était génial. Eigenlijk op het moment dat we aankwamen en die verlossing van het aankomen, zie je dat iedereen eigenlijk gewoon een verzopen kieken is. En dat je daar eigenlijk allemaal staat, zo nat als iets en vermoeid, maar grote ontlading op het moment.
qu'est-ce qui nous connaissent. Oui, c'est une expérience incroyable. Maintenant, de ça, il y a tiré beaucoup de leçons qu'on va analyser. Parce qu'il y a des choses qu'on doit améliorer, honnêtement. Mais c'était, on a poussé à l'extrême et c'est ça qu'on voulait. Hey, what denkst du? Oh, bonne idée. Je vais demander ça. Tu en penses? Je fais la même chose. Bah, je te dirai ça l'année prochaine. Ben vous avez bien fait, hein, ben je vous engage. Hein. On va y réfléchir. Je pense qu'ils vont pouvoir dire « I've done it ». J'ai fait beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. J'imaginais pas que des trucs comme ça, ça pouvait exister. Et finalement, c'est un petit peu ça qu'on recherchait avec le groupe. Na de tocht is er tijd voor ontspanning in een kuuroord net buiten Reykjavik. Will is er niet meer bij. Hij heeft een zware voetinfectie. Toch lijkt het team mentaal klaar voor de Olympische Spelen. Une médaille d'or, ça fait partie d'un tout. L'expérience, c'est une bonne expérience à faire. Je pense qu'on a énormément appris sur nous-mêmes, sur l'équipe, parce que mentalement, c'est vraiment très difficile. On a déjà oublié les 5 jours sur la neige et dans la tente. Il suffit d'un petit peu d'eau chaude. Un petit pain bon. Et tout va bien.